La reprise des cours est prévue pour le 3 août prochain. C'est le président de la République qui l'a confirmé lors de son message qui levait l'état d'urgence en République démocratique du Congo malgré l'existence de la Covid-19. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, nous allons vous permettre à savoir quelles sont les mesures que le gouvernement de la République a prises pour bien accompagner cette reprise, pour stopper bien sûr la propagation du coronavirus en République démocratique du Congo, surtout dans les parties les plus touchées. Voilà pourquoi nous recevons pour vous ce jour, mesdames et messieurs, un membre du gouvernement, lui, c'est maître Didier Boudim-Boutou-Bouanga. Il est vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique. C'est lui notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine qui sera consacré essentiellement sur la reprise des cours le 3 août. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, la rentrée est prévue pour le 3 août, malgré que la Covid-19 continue à être dans nos murs. Quelles sont les dispositions que le gouvernement de la République a mises en place pour ne pas permettre la propagation au sein des élèves après cette reprise? Déjà, d'entrée de jeu, je commence par vous remercier de m'avoir invité. Donc, ce que je dirais, c'est que le gouvernement s'est penché sérieusement sur cette question. Il y a eu beaucoup de réflexions autour du chef de l'État, autour du Premier ministre, autour du ministre d'État Willy Bakunga, autour de l'équipe de riposte, la task force aussi. Donc, nous avons eu à avoir beaucoup de discussions, même avec nos partenaires directs qui sont les syndicats des enseignants, les syndicats des représentants des parents ou des écoles conventionnées et toutes, pratiquement tous nos partenaires, que ce soit l'UNICEF, l'UNESCO. Nous avons eu plusieurs discussions et c'est comme ça qu'on a pu arrêter des stratégies qui vont permettre que nous puissions réellement protéger nos enfants, qu'ils puissent avoir accès aux cours, qu'ils puissent répondre le cours, mais tout en étant protégés. Ces mesures, la première des mesures qu'on a eu à adopter, c'est que dans les zones touchées, c'est rien que les classes terminales qui vont répondre. Donc, 6e primaire et 6e des humanités. Donc, ce sont ces classes-là qui vont répondre parce que ça va nous permettre d'abord qu'il y ait la distanciation. Car quand vous n'avez que des élèves de la 6e qui occupent une école peut-être de 6 salles de classe, on peut mettre 10 élèves par salle de classe, il pourra y avoir de la distanciation. Ça, c'est la première des choses. Et nous sommes en train de nous organiser avec tout ce que nous avons eu déjà comme appui au niveau de nos partenaires. Le dernier appui en date, c'est celui de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a fourni 100 000 masques au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les 100 000 masques que nous allons distribuer aux enseignants de la République démocratique du Congo, déjà, ça pourra peut-être même déjà soutenir les enseignants de la ville de Kinshasa. Et l'UNICEF aussi a mis des masques à disposition. Et le gouvernement aussi va mettre des masques à disposition, qui fera qu'on va essayer de faire au mieux pour que ce soit les élèves et les enseignants puissent avoir des masques. Mais toutes ces mesures, le ministre d'État va signer un document en début de semaine qui va répondre toutes les mesures qui seront prises. Avec tous les détails possibles. Avec tous les détails, il y aura un circulaire qui va circuler, qui ira un circulaire pour tous les établissements à travers le pays par rapport aux mesures qui devront être prises et par rapport au calendrier scolaire réaménagé. Mais dans les zones non touchées, avant que nous en arrivions au niveau de ces calendriers réaménagés, dans les zones non touchées, c'est-à-dire que toutes les classes vont reprendre. La logique, c'était ça l'idée au départ. Mais entre-temps, l'idée était aussi pour essayer de garder une certaine cohérence, que même dans ces zones-là, que rien que les classes terminales puissent répondre, parce que nous sommes un seul pays. Mais la décision sera prise en début de semaine et le ministre d'État va communiquer. Et c'est à partir de ça qu'on va... Parce que nous sommes en train de mettre les dernières mesures en place et on va communiquer, le ministre d'État va communiquer en début de semaine pour que les choses soient claires. Et là, tout le monde, l'opinion sera fixée. Mais il y a une réalité... Nos enfants doivent se préparer par rapport au TENAFEP, ça aura lieu. Nos enfants doivent se préparer par rapport aux examens d'État, ça aura lieu. Il n'y a pas d'année blanche par rapport à ceux qui disaient qu'il y aura année blanche. Je vous informe, il n'y a pas d'année blanche. Oui, la reprise est prévue pour les classes terminales, mais le mois de septembre est proche. Et comment est-ce que vous allez faire pour essayer de récupérer ces retards de plusieurs jours enregistrés indépendamment, c'est vrai, de votre volonté en tant que gouvernant? Mais je pense qu'il y a déjà des stratégies mises en place pour essayer de résoudre ce problème avec les classes des premières, des deuxièmes, des troisièmes, toutes les classes montantes.
Le calendrier est aménagé, est en train d'être mis en place. Bientôt, il sera communiqué, ça c'est sûr. Et tout le monde va connaître les dates. Et déjà, même par rapport à la rentrée année scolaire 2020-2021, tout sera clair. À part ça, par rapport aux classes montantes, dans les zones non touchées, il y a moyen qu'ils reprennent. Ou peut-être s'il y a une autre décision par rapport à la dernière réunion que nous aurons, ils ne répondront pas. On pourra prendre les points qu'ils ont eu à faire au premier semestre pour qu'on puisse évaluer. À travers cette moyenne, ceux qui auront bien travaillé pourront passer de classe et ceux qui n'auront pas bien travaillé pourront répondre des classes. Et l'année prochaine, l'année 2020-2021, au début de l'année, au lieu d'entamer directement le programme de la classe... on va d'abord commencer par rattraper rapidement le peu de programme qui restait de l'année. Et puis continuer avec le reste. Donc c'est tout ça qu'il y a sur la table. Et comme je vous dis, le ministre d'État va communiquer très bientôt. Ce sera devant la presse et tout le monde pourra connaître le calendrier réel et comment les choses vont se faire. Mais après avoir lancé, par rapport à cette pandémie, vous avez lancé le programme télévisé sur différentes chaînes de télévision. Il y avait aussi un programme, monsieur le ministre. Il y a des zones où il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce que vous avez trouvé des stratégies pour essayer d'atteindre toutes ces zones? En plus, comment allez-vous faire pour évaluer ces cours? Parce qu'une chose est d'enseigner, mais une autre est d'évaluer pour essayer de voir si on peut passer ou rester dans la classe où on est. L'objectif n'a jamais été que les cours télévisés ou via Internet ou radio ou par rapport au manuel d'exercice puissent remplacer le cours normal. Ça n'a jamais été ça l'objectif. L'objectif était que nos enfants ne pouvaient pas rester à la maison sans rien faire. Donc, c'était une façon de réviser, d'avoir toujours une certaine matière dans la tête pour ne pas rester oisive à la maison. C'était ça l'objectif. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas pu atteindre ça à 100% vu les infrastructures à travers le pays. On le sait tous quelles sont nos infrastructures actuellement. Donc, il y a un grand travail de ce côté-là, surtout par rapport à tout ce qui est Internet, médias. Il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Donc, on a fait au mieux. Mais déjà, dans les zones où on ne pouvait pas atteindre, là où il y avait la radio, les radios communautaires ont pu nous aider pour diffuser des cours. Là où il n'y avait pas de radio, nous avons pu distribuer des cahiers d'exercices qui ont pu permettre aux enfants de pouvoir travailler au niveau de la maison. Vous avez eu beaucoup de dons enregistrés pendant ces temps de la Covid. Nous avons suivi les différentes réunions avec les différents partenaires. Est-ce que vous pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez utilisé tous ces dons et voilà un peu. Jusque-là, comme je le dis encore, nous sommes en train de tout mettre en place. Tout ce que nos partenaires ont pu faire comme dons, ça va être distribué au niveau des enseignants et des élèves, ça c'est une certitude. Mais entre-temps, nous continuons parce qu'il y a encore des séances de travail jusqu'au maximum début de semaine prochaine. Le gouvernement va se prononcer sur ce qu'il va faire. Et nous verrons par rapport à ce que les partenaires ont eu à faire pour que nous puissions mettre en place un programme de protection de nos enfants et de nos enseignants. De toute façon, le ministère a toujours travaillé avec une certaine transparence. Et avec cette transparence, tout le monde saura qu'est-ce que nous avons reçu, qu'est-ce que nous allons en faire. Là, déjà, je vous parle des 100 000 masques donnés par la Fondation Denise Nyakiro-Tshisekedi qui vont être remis officiellement aux provèdes par le ministre d'État en début de semaine, lundi. Et ce sont ces provèdes qui vont distribuer ça à travers la ville déjà de Kinshasa. Et nous savons aussi que l'UNICEF et l'UNESCO ont mis en place il y a à peu près 500 000 masques qui doivent nous remettre officiellement. Et ces masques aussi, nous allons encore les distribuer. Et le reste, à travers ce que le gouvernement va mettre en place, les moyens que le gouvernement va donner au ministère, nous allons pouvoir sécuriser et les établissements, et les élèves, et les enseignants. Vous avez un message particulier que vous pouvez lancer aux parents qui sont en train de nous suivre à travers toute la République démocratique du Congo par rapport à la rentrée prévue le 3 prochain? Je voudrais plus d'abord m'adresser aux enseignants parce que ce sont des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Sans eux, on ne serait pas là où on est. Ce sont ces personnes qui ont beaucoup de valeur, qui ont beaucoup... Pour moi, personnellement, je raconte beaucoup d'amour. C'est pour leur dire que le problème des NU, on n'oublie pas. Le ministère n'a pas oublié. Que ce soit moi, le vice-ministre, que ce soit le ministre d'État Willy Bakunga, nous n'avons pas oublié et nous n'arrêtons pas à en parler au niveau du gouvernement. Mais nous sommes butés à une réalité. Cette réalité, c'est cette pandémie que personne n'a demandé. Nous sommes en train de subir. Et Marie, que nous sommes en train de subir, donnez-nous le temps de pouvoir finaliser et les NU seront prises en compte, comme l'avait dit le chef de l'État. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de promesses. La première, c'était la prise en compte des NP. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique,
par la vision du chef d'État, en moins d'une année, nous avons pu prendre en compte 132 000 NP, donc des non-payés en plus. 132 000. Dans l'histoire du Congo, ça n'a jamais été fait. Les NU... C'est une première. C'est une première. Les NU, nous avons déjà pu en identifier près de 160 000. Et croyez-moi qu'ils seront pris en compte. La pandémie est arrivée, personne n'a demandé ce que ça arrive. Toute la terre était branlée par rapport à ça. Vous allez voir toutes les économies, que ce soit même au niveau de nos voisins angolais, il y a l'inflation au niveau du taux de change. Donc ce sont des réalités auxquelles personne n'a pu échapper. Mais vous êtes des NU qui sont des enseignants. Nous vous portons à cœur et nous allons régler ce problème-là très rapidement par rapport aux moyens et d'ici là, en tout cas, c'est réglé. Est-ce que le gouvernement de la République aujourd'hui a un plan? C'est vrai, le corona ne peut pas être une excuse pour essayer de dire que non, on ne travaille pas par rapport aux infrastructures. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. Si même vous avez choisi au niveau du gouvernement de prendre d'abord les classes terminales, c'est parce que nous avons carence des infrastructures scolaires. Est-ce qu'il y a un plan ou un vous pouvez nous présenter déjà un tableau de bord représentant les stratégies, les perspectives d'avenir pour la construction des infrastructures scolaires, non seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République démocratique du Congo? Le défi est énorme. C'est pour ça que même quand on fait des efforts, des fois, ce n'est pas très visible. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, à travers le programme de 100 jours, il y a déjà près de 187 écoles qui ont vu le jour à travers le pays. Dans le cadre du programme de 100 jours? Près de 187 écoles ont déjà vu le jour à travers le pays. Et c'est vérifiable. Au moment où nous parlons, nous sommes dans un programme où très bientôt, il y aura plus de 300 écoles qui vont voir le jour. Et là déjà, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine qui vont voir le jour dans la ville de Kinshasa, car le contrat avait été signé bien avant, il y a plus de 4 ans. Avec matériaux durables ou avec les préfabriqués? Préfabriqués pour une durée moyenne de 50 ans. Donc c'est pas des matériaux qui vont... Préfabriqués avec durée moyenne de 50 ans? Minimum de 50 ans. Oui, c'est avec quelle matière on travaille ces préfabriqués? Dès que ce sera mis en place, vous allez venir. On va vous inviter, vous verrez, parce que nos techniciens ont eu à travailler avec l'entreprise qui va mettre ça en place. Et c'est une entreprise qui est venue pour nous faciliter la tâche parce que le paiement s'est fait après. Donc le contrat a déjà été signé, le ministère de l'EPST a signé, le ministère du Budget a signé, le ministère des Finances a signé, le ministère de l'ITPR a signé. Donc là, il ne reste plus que l'approbation du Premier ministre qui va intervenir incessamment. Une fois que c'est là, ils vont commencer les travaux. Déjà, on va pouvoir désengorger certaines salles de classe qui sont trop pleins et ça va déjà nous faciliter par rapport à la rentrée 2020-2021. Est-ce que ça sera sur fonds propres ou avec l'aide de vos différents partenaires, parce que vous en avez, vous avez beaucoup de partenaires? Non, si on doit parler, l'entreprise est en train de le faire en préfinancement et l'État va payer graduellement. Donc c'est ça l'accord qui a été trouvé. Et voilà, donc ça va vraiment aider, ça c'est sûr et certain. Mais entre-temps, il y a le BCECO aussi qui travaille sur la construction de d'autres écoles. Au niveau du ministère, au c'est toujours dans le cadre de la poursuite du programme de 100 jours ou c'est en dehors de ce programme? Ça, on peut dire que c'est intervenu en dehors de ce programme, mais nous continuons. En fait, c'est une continuité. Le plus important, c'est le peuple congolais. Le chef de l'État porte le peuple congolais à cœur. Nous portons le peuple congolais, les enseignants, nos élèves à cœur. Et nous devons nous battre pour leur donner les infrastructures qu'il faut. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et croyez-moi que nous allons y arriver. Comment voyez-vous, Maître Didier Boudimbou, comment voyez-vous l'après-corona dans les secteurs de l'enseignement primaire et secondaire ici à Kinshasa? Ça ne va pas être facile comme partout ailleurs dans le monde, mais nous savons déjà le Congo, nous avons l'avantage, on a pu maîtriser Ebola, Ebola qui était très grave, qui a sévi dans le pays, nous avons pu maîtriser Ebola, nos enfants ont pu étudier, et même dans toutes ces zones où les cités zones à risque, nous avons pu maîtriser Ebola, nous allons maîtriser la pandémie, cette pandémie de coronavirus, et les choses vont petit à petit, graduellement, reprendre leur rythme et revenir à la normale. Et vous verrez qu'à travers le monde, nous sommes le pays qui avons, parmi les pays qui ont le mieux géré ce virus, le Congo fait partie. Donc nous allons y arriver avec des preuves comme Mouyembe qui sont très forts, donc on va y arriver. Parce que vous parlez de Mouyembe, est-ce que vous avez travaillé en synergie pour étudier tout le mécanisme, mais au cas où? Parce qu'il faudrait toujours, quand on organise quelque chose, avoir un plan A et un plan B. Au cas où il y aura forte propagation, on va reconfiner. Parce que sur d'autres, si on a vu aussi qu'il y a eu reconfinement. Évidemment, je pense que oui. Mais nous osons croire que ça n'arrivera pas.
Je vous encourage parce que jusqu'à tous les signaux montrent que les choses peuvent avancer. Au départ de cette pandémie, nous étions à 11% de décès. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 2,5% de décès. Donc, en tout cas, c'est le taux de décès s'est vraiment amoindri. Il y a beaucoup de guéris. Donc, je pense que j'ose croire qu'il n'y aura pas à reconfiner. Avez-vous prévu des stratégies pour sensibiliser? Vous savez, on a levé l'état d'urgence, il y avait des gens qui étaient en liesse partout. Il y a des coins où à Kinshasa, les gens continuent à douter sur l'existence de cette pandémie. Est-ce que vous avez prévu des mécanismes pour qu'il y ait des équipes dans les écoles, pour sensibiliser, pour contrôler la température? C'est vrai, vous allez distribuer des masques et des gels hydroalcooliques, mais est-ce qu'il y a cette politique-là qui est sur votre table pour permettre à stopper réellement la propagation, parce que c'est très important. Évidemment, il y aura des thermomètres pour prélever la température et nous serons toujours en contact avec tous ceux qui sont hospitaliers au cas où il y a apparition de fièvre chez les enfants ou des symptômes chez les adultes. On verra comment, en ce moment-là, on pourra gérer ça. Mais déjà, par rapport à ça, c'est quand vous dites qu'il y a beaucoup qui ne croient pas à cette histoire, je pense qu'il faut plutôt aller voir les leaders, certains leaders politiques ou certains leaders d'opinion qui ont eu à crier haut et fort Kezakop Benda Lokoto. C'est ces gens-là qui doivent venir se justifier, qui doivent parler à la population pour expliquer que non, Toko Sakibino, Kezakop Benda Lokoto, c'est une maladie qui existe réellement. Nous, de notre côté, déjà, s'il y a des êtres qui peuvent passer un message facilement, ce sont les enfants. Les enfants, quand ils vont venir au niveau de l'école, c'est qu'on va leur apprendre les gestes barrières, se laver les mains, et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont intérioriser ça. Partout au monde, s'il y a des gens qui... Un enfant qui parle lingala aujourd'hui, vous pouvez l'apprendre quatre langues, même le chinois, il va parler, même l'anglais, le français. L'enfant apprend facilement. Et je pense qu'à travers l'école, les enfants vont plus apprendre les gestes barrières, ils vont comprendre la gravité de cette pandémie. Et parce qu'il y a des programmes de sensibilisation qui sont prévus. Quand le ministre d'État va exposer le programme de la reprise des cours, il va détailler tout ça et tout le monde sera au parfum de ce qui sera fait. C'est vrai, ça va demander des budgets additionnels. Est-ce que, à ce jour, pouvez-vous nous confirmer, parce que vous êtes membre du gouvernement, est-ce que le gouvernement de la République a toute cette logistique pour accompagner cette rentrée? Nous n'allons ménager aucun effort pour nos enfants ou pour nos enseignants. Ça, vous pouvez en être sûr. Les moyens, nous sommes en train de les trouver et de les rassembler. La semaine prochaine, quand le ministre d'État Willy Bakunga fera son communiqué, vous verrez toutes les mesures qui seront prises. Et croyez-moi que nous sommes en train de trouver les moyens et nous ne ménageons aucun effort, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le premier ministre, chef du gouvernement, nous ne ménageons aucun effort. Est-ce qu'aujourd'hui, Excellence, au niveau de votre cabinet, vous croyez à la réussite de cette rentrée? On y croit fermement, sinon on ne l'aurait pas fait. On y croit fermement. Qu'est-ce que les parents peuvent attendre du gouvernement de la République aujourd'hui, parce qu'il y a des parents, il y a quelques parents qui sont en train d'hésiter de ne pas envoyer les enfants à l'école? Nous leur demandons et ils verront bien que nous allons garantir la sécurité des enfants parce que ce sont nos enfants. La gratuité a réussi et c'était le programme phare du chef de l'État par rapport à son quinquennat et c'est une réussite totale. Et je pense que nous devons continuer dans cet élan-là. Et l'État, le gouvernement congolais est là pour accompagner les parents. Les mesures que nous allons mettre en place vont nous redonner confiance aux parents. Ils vont nous envoyer les enfants à l'école. Ça, j'en suis sûr. Nous pouvons parler en quelques minutes, Excellence, Monsieur le Ministre, du travail réalisé par les comités de riposte, juste avoir votre lecture. Quelle est votre lecture aujourd'hui par rapport à ce travail réalisé par les comités de riposte? Il y a des polémiques, il y a l'inspecteur général qui venait d'être nommé récemment, qui est en train de faire des audits pour savoir comment est-ce que les fonds alloués à la riposte ont été gérés. Votre lecture en tant que citoyen congolais? En tant que citoyen congolais, membre du gouvernement, ma lecture elle est simple. Quand il y a audit, ça ne veut pas dire qu'il y a fraude. Dans un État normal, dans un pays normal, il doit y avoir audit. On doit contrôler comment les dépenses se font. Mais cela ne veut pas absolument dire que parce qu'il y a audit, il y a fraude. Je pense que jusque-là, le tout a été bien géré parce que, comme je le dis encore, au départ, on avait 11% de décès. On a à moins de 2,5% de décès. Donc, il y a un travail sérieux qui a été abattu par cette équipe-là. Pour le reste, je ne suis pas financier, donc je ne sais pas comment l'argent est sorti. Mais bon, nous aurons un rapport, même le gouvernement aura un rapport. En ce moment-là, on pourra en parler. Mais pour le moment, je pense que l'équipe de riposte a fait un travail remarquable qui est audite. Ce n'est que chose normale, parce que quand il y a un travail, quand il y a de l'argent, il faut qu'il y ait audite dans un pays normal. Et nous sommes un pays normal.
l'état de droit. Donc il faut qu'il audite. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des tournements ou quelque chose dans ce sens-là. Parce que vous parlez de l'état de droit, est-ce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'état de droit est en train de s'installer après tous les procès que nous avons vécus ici à Kinshasa, les condamnations, les marches récentes? Votre lecture, vous êtes également juriste. L'état de droit est réellement en train de s'installer. Nous voyons à quelle vitesse les choses sont en train de se passer, à la conscience déjà qui est en train de changer. Et en plus de ça, il y a des signaux simples. La manifestation des gens, nous avons vu des marches à gauche, à droite, et des marches qui sont très bien passées. Il y a eu comme peut-être quelques dérapages, comme ça arrive partout au monde, même quand les gilets jaunes sortent, des fois il y a des dérapages. Mais la plupart des marches ont été encadrées. Et les gens ont pu s'exprimer démocratiquement. C'est ça l'état de droit. Et ceux qui ont touché à l'argent du pays, on sait ce qui s'est passé. C'est ça l'état de droit. Et on permet, toute personne accusée a le droit de se défendre. Nous avons vécu dans des procès où il y a eu des avocats très excellents qui ont défendu des prévenus ou qui étaient encore supposés être innocents. Le procès était équitable. Il y en a qui sont en appel. Nous sommes en train de voir la naissance de cet état de droit. Nous sommes en train de voir que le pays est réellement en train de changer et je ne peux que féliciter le chef de l'État pour sa vision et ce qu'il est en train de faire et féliciter aussi le gouvernement pour ce que le gouvernement dont je fais partie à travers notre premier ministre, chef de gouvernement, M. Sylvestre Lukamba. Je félicite aussi le gouvernement par rapport à tous les travaux abattus et tout ce que nous sommes en train de faire. L'état de droit est vraiment en train de s'asseoir et tout le monde à travers le monde est en train de le voir. Récemment, le président de la République revenait du Congo-Brazzaville où il a signifié que la coalition va continuer, il n'y aura pas de divorce, mais au sein de cette coalition, vous êtes membre de cette coalition, FCC Cash. Est-ce que vous pouvez lancer un message aux uns et aux autres, au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, comme le chef de l'État le souhaite? Monsieur Mutombo, vous savez, quand on est membre du gouvernement, on n'est plus du FCC, on n'est plus du Cash. Au sein du gouvernement, il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cash. Je suis membre du gouvernement, M. Willy Bakung est membre du gouvernement. Tous les ministres sont membres du gouvernement au service de la nation, au service du peuple congolais. Nous ne sommes pas membres du gouvernement au service de nos partis politiques ou au service des plateformes politiques, que ce soit cash ou FCC. Déjà, ça, il faut vraiment que ce soit très clair. Et pour le reste, je pense qu'il y a le comité de suivi de la coalition qui sont là, qui doivent faire le travail qui est le leur. Nous sommes au sein du gouvernement et je trouvais ça anormal que je mette à commenter sur ça. Nous avons le devoir de travailler et de rendre des résultats et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le reste, il y a le comité de suivi qui doivent s'occuper et faire le travail pour qu'il n'y ait pas des tiraillements à gauche, à droite. Je suis membre du gouvernement et étant membre du gouvernement, je suis au service de la population. Et voilà, donc quand on est membre du gouvernement, on n'est plus du cash, on n'est plus du FCC, on est membre du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes autorité morale du parti politique, autre vision du Congo. Comment est-ce que vous mélangez le tout? Comment est-ce que vous travaillez? Quand on est membre du gouvernement, on est frappé d'incompatibilité, d'où je ne suis plus actif au sein du parti Autre Vision du Congo. Je ne suis qu'autorité morale. Je vois comment le secrétaire général est en train de gérer le parti. Pour le moment, je dois m'occuper des charges qui m'ont été données à travers ce ministère où je suis la deuxième personnalité. Après le ministre d'État Willy Bakung, donc je dois faire le travail pour lequel le chef de l'État m'a fait sa confiance et pour ni le décevoir, ni décevoir le peuple congolais. Mais ça ne vous empêche pas en tant que citoyen congolais de lancer des messages de paix? Si un message de paix que je peux dire, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul Congo. Nous n'avons qu'un seul Congo, nous n'avons qu'un seul peuple congolais. Nous devons rester unis. Nous sommes en train de traverser cette crise qui est planétaire. Nous devons rester unis pour trouver des solutions ensemble. Qu'il y ait cette solidarité et cette compréhension des parts et d'autres et que nous puissions nous préparer à travailler, que nous puissions remonter notre économie. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous avez aussi cette politique de conscientiser, de faire la moralisation, voilà ce que je voulais dire, la moralisation sur le respect et l'éthique de la citoyenneté? Si, déjà, je pense que ce gouvernement est beaucoup penché sur l'éthique, d'où vous voyez qu'il y a un ministère de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté, c'est pour ce genre de travail. Vous verrez qu'il y a, comment on appelle, CCM, coordination de changement de mentalité que le chef d'État a créé, donc nous sommes tous ancrés dans ça, parce que nous savons que le problème du Congo, c'est aussi par rapport à l'éthique, c'est par rapport à tout ce qui est moral, et ça fait que nous sommes un peu descendus trop bas. Donc nous sommes tous derrière ça, nous voulons qu'il y ait un changement de mentalité,
et nous accompagnons ces changements de mentalité. Vous verrez que même le CCM, la coordination des changements de mentalité, je suis pratiquement, pour ne pas dire par partenaire, mais nous travaillons souvent ensemble. J'ai déjà eu à avoir plusieurs réunions avec le pasteur Jacques, parce que nous voulons apporter quelque chose de nouveau. Le Congolais doit penser autrement. Il ne doit plus penser comme c'était à l'époque où les antivaleurs étaient devenues des valeurs. Non, le Congolais doit changer. Il doit savoir que voilà, je dois travailler pour pouvoir manger. Il doit savoir pouvoir avoir la patience. Ce n'est pas même Dieu qui pouvait créer le monde en une seconde, l'a fait en 6 jours. Le septième jour s'est reposé. Donc nous devons travailler. D'où même le gouvernement, même le chef d'État, il faut nous laisser le temps de travailler. Je pense que tout le monde sait dans quelle position nous avons trouvé le pays. Et maintenant, il faut relever l'économie du pays. Il faut changer la mentalité des gens. Donc déjà, pour relever l'économie, il faut que les gens puissent commencer d'abord parfois à faire un travail intérieur, un travail de mentalité. On les fait au sein du ministère. Il y a des programmes qui sont prévus par rapport à l'enseignement, par rapport à ça. Et nous devons remonter ça. Ça me tient à cœur. Et tous les jours, j'y travaille, même tout dans mon environnement. On essaie réellement de changer les gens. On accuse votre gouvernement d'être à la base de l'inflation. Aujourd'hui, le dollar est à plus de 20. Un mot par rapport à ça? C'est de la mauvaise foi. Parce que si vous traversez en Angola, c'est pire. Vous avez aussi accusé le gouvernement angolais. Partez partout au monde, c'est la crise. Allez-y au Japon, allez voir au Japon. Aujourd'hui, la crise. Le Japon, c'est un pays très développé. Donc, le Japon est un pays très, très développé, mais il faut voir ce qui se passe au Japon par rapport à l'inflation. Donc, c'est pour vous dire que le Congo n'est pas un cas exceptionnel. Il y a la pandémie qui est là. C'est quelque chose de sérieux, mais nous sommes en train. Le gouvernement fait de son mieux. Et d'ici là, vous verrez les résultats qui vont arriver. Mais c'est une situation difficile que pratiquement tous les pays du monde sont en train de traverser. Merci beaucoup, Excellence. Vous étiez dans une réunion récemment avec tous les partenaires. Est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui en quoi a consisté cette réunion? Déjà, comme vous le savez, nous avons reçu 800 millions de dollars mondiaux, une partie en dons et une partie en prêt. Donc, les 800 millions, il y a 700 millions qu'on va dépenser pendant 3 ans, qu'on va recevoir et dépenser pendant 3 ans, qui va permettre de soulager par rapport au paiement des enseignants et à 100 millions qui viendront en plus pour soutenir la gratuité en fait. Déjà, c'est par rapport à ça, parce qu'avant de pouvoir avoir accès à cet argent-là, il y a des préalables. Oui. Nous devons discuter avec les partenaires pour voir comment nous allons remplir notre part, comment le gouvernement congolais va remplir sa part pour que nous puissions avoir possession de cet argent. Merci beaucoup. Cette interview est arrivée à la fin. En 2 minutes, que pouvons-nous retenir par rapport aux mesures et stratégies que vous allez mettre en place sur la rentrée? Parce que l'actualité, c'est la rentrée prévue le 3 août prochain. Déjà, la première chose, comme je le dis, pour que nous puissions être en possession de 800 millions, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, ce sont les NU. Les NU doivent être payés. Donc, d'où je rassure encore mes amis pour lesquels j'ai beaucoup de respect, les NU seront pris en compte réellement. Parce que ce sont des préalables pour que nous puissions avoir l'argent de la Banque mondiale de 800 millions. Ça, c'est d'abord de 1. La deuxième des choses, je demanderai aux parents de faire confiance au gouvernement ou au ministère, parce que nous allons mettre en place toutes les mesures barrières et de protection pour nos enfants et pour nos enseignants. Ça, c'est une certitude. Très bientôt, en début de semaine, il y aura un communiqué du ministère. Sûrement, le ministère va le faire lui-même devant la presse. Il y aura un circulaire par rapport à la reprise et par rapport à toutes les mesures qui sont prises à travers l'étendue par rapport à la reprise de cours du 3. On sait que je peux dire et que je demande encore aussi au Seigneur de bénir nos peuples congolais, de bénir notre gouvernement, de bénir les chefs de l'État et que nous puissions vraiment remettre ce pays sur les rails. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu Maître Didier Boudi-Mboutou-Bouanga. Il est vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Vous avez suivi. Quelles sont les stratégies que le gouvernement va mettre en place? Parents, ne vous inquiétez pas, envoyez vos enfants le 3 pour reprendre le cours. Nous vous disons également, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Mais avant de clôturer, nous tenons également à remercier le ministre d'État, Willy Bakonga Wilma, qui fait un travail merveilleux avec son vice, Maître Didier Boudimbou. C'est le meilleur des tandems. Ça ne vient pas de moi, il y a un groupe, il y a un réseau qui a prévu d'ailleurs un diplôme pour question d'encourager, parce qu'il faudrait jeter les fleurs aux gens quand ils sont encore en vie, il ne faudrait pas attendre qu'ils meurent pour venir les dire. En tout cas, encore une fois de plus, merci beaucoup Excellence, à vous également chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris
pour la semaine prochaine. Au revoir.